Cap Nouveau, certains sont en Côte d'Ivoire, certains sont au Sénégal. Ils nous suivent sur YouTube. Cherchez ses frères, approchez-vous d'eux et servez l'Éternel. Vivez selon les lois et les commandements de Dieu. Elle dit, mieux vaut une portion de légumes avec l'affection qu'un bœuf gras avec la haine. C'est ce que j'avais dit. Qu'un bœuf gras avec la haine. Genre, ils sont là, ils disent, je suis ministre, je suis dieu, je suis ceci, je suis ceci. Et c'est des démons. Et ils ont là, tu fais, ça c'est du cru bourgeois, c'est du Beaujolais, c'est du cru de 1624, c'est du vin cru, c'est de la bière fine, blablabla. Et ils sont bourrés de démons satanés, ils ont la haine dans leur cœur. Non, l'Éternel dit non. Mieux vaut manger peut-être de la tomate, de l'oignon, ou bien du feuille, du moyo sans poisson. Excusez-moi, moyo sans poisson, rien, avec de la pâte ou de la cassa. Avez-vous mangé avec quelques frères qui ont la crainte de Dieu, que de vous associer avec des démons, des francs-maçons, des gens qui disent qu'ils sont blablabla, et dans leur dedans, c'est rien que les ténèbres, rien que Satan, rien que le diable. L'Éternel dit, non, man, non, man, on ne veut pas ça. Donc, allons-y. Allons dans Jérémie. Comment toucher à peu près. Allons. Proverbe 14. Pourquoi je... Allons-y. Proverbe 14. Proverbe 14 et le verset 12. Je suis dans Proverbe, le chapitre 14 et le verset 12. Tel chemin. Donc, ce que Patrice Allain est en train de faire, et son gouvernement, on doit recenser, on doit compter les hommes qui couchent avec leur femme. Dès que la femme est enceinte, on doit aller déclarer au gouvernement. N'est-ce pas? Sinon, votre enfant n'aura pas d'acte de naissance. Ils ont dit, c'est ça qui va sauver les Béninois. La raison, c'est ça qui va... Parce que si votre raison, ce n'est pas que ça va sauver les Béninois et les amener dans le royaume de Dieu, c'est zéro tout ce que vous êtes en train de faire. Zéro. Si Patrice Talon, son gouvernement, si votre raison pour laquelle vous oppressez, vous opprimez le peuple, la nation de Dieu, en leur disant qu'ils doivent enregistrer dès qu'ils ont enceinté leur femme, si votre raison ce n'est pas pour leur donner le salut, si la raison que pousse, si ce n'est pas le salut, ça ne va pas leur donner le salut, genre, ils seront sauvés. Ah, man, vous allez voir le feu, man. Vous allez voir le feu. L'Éternel Yahweh. Comme le dit en espagnol, fuego. Fuego, todo día. You want to see fire all day long. Fire all day long. Vous allez voir le feu. Si la raison n'est pas que si ces hommes qui vont déclarer leur femme étant enceinte à vous, si la raison ce n'est pas que ça va leur donner le salut, ils seront sauvés selon la Bible. Ah, vous êtes fumé. L'Éternel va vous fumer. Ah, ça, je vous le garantis. Vous avez déçu le peuple. Vous les avez déçus? Vous avez déçu le peuple? Oh man, come on. Come on, man. Come on, yo. Really? Donc, associez-vous le plus vite possible. Mais tiens, mes déclés. Associez-vous le plus vite possible. Et concertez-vous. Concertez-vous et rassurez-vous que le endgame, comme le dit en anglais, que la fin de toutes ces conneries que vous êtes en train de faire là, que s'ils vont déclarer leur femme, qu'ils les ont enceintées, leur femme et eux aussi seront sauvés. Si c'est ça, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Kwame Inch'Allah, Kwame Inch'Allah. Ok? On va vous le montrer. Proverbe 14, 12. Il dit, tel chemin paraît droit à quelqu'un. Donc Patrice Talon, tout ce qu'il fait, il se dit qu'il est en train de travailler. Et certains d'entre vous, les ignorants, vous dites qu'il est en train de travailler, n'est-ce pas? Ok. Supposons qu'il est en train de travailler. Il est au champ, il est à la cuisine, il fait la lessive, il fait la vaisselle, il fait la récolte, il est en train de sécher les graines, il fait l'agriculture. Patrice Talon, il travaille, il fait tout ça là. Suivez. Tel chemin paraît droit à quelqu'un, à un homme, à Patrice Talon, à son gouvernement et à la majeure partie des hommes. Mais en fin de compte, c'est le chemin de la mort. Ouh. Ah bon? Donc le chemin que Patrice Talon disait que c'était bon
il faisait les réformes, il veut transformer le Bénin, blablabla, il fait ceci. C'est pour amener les Béninois à la mort. Ah bon? Hein? C'est pour s'amener lui-même à la mort. Et c'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible, je vais relire. Proverbe 14, 12. Proverbe 14, 12. Proverbe 14, 12. Le tel chemin. Donc, et toi, l'idée dit, à l'île, ton moukou et ton mais, et mon remis ton d'agoué, bah, et m'y zonwa. Ok? Il dit, tel chemin paraît droit à quelqu'un. Le bouba ton meon, et y'a mon remis ton d'agoué, bloué quoi. Doué y'a gon, et ton d'agoué, bloué, et doua zonwa, quoi. Vimit ton doua zonwa, et le reforme les bloué, et ton d'agoué, et ton d'agoué, chercher. Hein? Il dit quoi? Mais, et non, bon, les bien fort, les bien gros, et t'es noir, et t'es un abordé où? Était un abordé où il y a des cartons au Ségandi, mais en fin de compte, les biais les bifours et gossiens le du Godor était un adjo, c'est le chemin de la moyenne à l'idée d'y aller à l'idée de vivre au héros à son héros, les bleus héros à soyez ouais à clouno d'aida aïe au aga ne demi les bio et donc aliéné au coussin lié la mort. Alléluia. Kwame Yachala, amen. Kwame Yachala. On va aller. Proverbe 16, 25. Proverbe 16, 25. Proverbe 16, 25. Proverbe, le chapitre 16 et le verset 25. Proverbe 16 et le verset 25. Il dit, tel chemin paraît droit à quelqu'un, une femme ou un homme. Il se dit, ce qu'il fait, c'est bon. Mais nous devons être amis d'être, mais nous devons être amis d'être, nous devons être amis d'être, nous devons être amis d'être, déclarer nos gouvernements. Adonai dans notre gouvernement, sinon à de naissance dans de nos victoires. À de naissance dans de nos victoires. Pourquoi? Eux, ils n'ont qu'à faire ça avec les gens. Ils n'ont qu'à déclarer. Mais laissez le peuple, laissez la population. Vous faites ça. Quand vous vous êtes civilisé, plus que le peuple, vous vous faites ça et dites au peuple que vous êtes civilisé. Vous avez choisi de déclarer vos enfants. Yeah. Mais vous ne pouvez pas forcer ça sur la population. Non. La raison pour laquelle vous forcez ça sur la population, c'est parce que vous êtes des démons. Yeah. Vous êtes des démons, des caïens habillés en cravate et en costume. Démons. 25. Il dit, tel chemin paraît droit à quelqu'un, mais en fin de compte, c'est le chemin de la mort. Et la même chose se répète. Le chemin de la mort. La mort. Au coup, si elle dit, oui, mettez. Au coup, si elle dit, mettez. À l'idée, dit, mettez. Gouvernement béninois et président, alors, à l'idée d'y être, au coussin, à l'idée d'y amener. Alors, non, proverbe toujours, je vais rester dans 21. Proverbe 21 et le verset 16. On va aller après du verset 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer là le droit. C'est une joie pour le juste de pratiquer le droit. Le droit, c'est quoi? Les lois et les commandements de Dieu. Mais c'est l'épouvante pour les malfaisants. Patrice Talon, c'est un malfaiteur. C'est un malfaisant. Il ne peut pas pratiquer la Bible. Il ne peut pas pratiquer ce qu'a dit l'Éternel. Il ne peut que pratiquer ce que le diable lui dit, ce que les colons lui disent, ce que César Borgia lui dit de faire. Ok? Ce que son maître colon lui dit de faire. Quand il a le nom de son maître colon, il doit le faire. Talon. Donc il est en train de talonner les Béninois. Il va vous talonner sérieusement. Il va bien, bien vous talonner. Surtout vous qui avez la bouche, vous les supportez là. Il va bien vous talonner, il va talonner vos familles. Et c'est de là que vous allez comprendre. Il va vous talonner juste en scène que vous n'avez plus de souffle. Certains, il va vous amener à la mort. Et si Patrick veut nous arrêter, il n'a qu'à le faire. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. C'est lui qui a pris et la pierre et le plastique où il a pris, il sait le quoi, lequel est lourd et lequel. Il n'a qu'à nous arrêter. Nous, on n'a pas peur de Patrick Talon. C'est pour ça que je suis live sur Facebook. Il peut demander à son conseiller, il faut me jouer la vidéo là. Je veux voir la vidéo de ce petit. Et moi, mon papa, c'est Pi Défi. Patrice Talon connaît mon papa. Il connaît mon papa. C'est Pi Défi. C'est Pi Défi. Ok. Parce que certains d'entre vous, vous pensez que peut-être la vidéo que j'ai fait la fois passée, où j'ai publié, certains d'entre vous avez pensé que j'ai peur de Patrice Talon. Mais la vidéo, je l'ai fait live, c'est sur Facebook. C'est là, sur Facebook. Allez là-dessus, je ne l'ai pas effacé, c'est là, toujours.
Et j'ai posté quelques vidéos sur YouTube. C'est vrai que je n'ai pas encore tout posté, mais j'ai posté déjà deux ou trois. J'ai encore deux ou non, plus que ça même. Plus que ça même à poster. Donc il dit, qui s'égare loin du chemin de la prudence? Le chemin de la prudence, c'est la Bible, les lois et les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas la religion qui vous a donné la religion. Les colons, les Arabes, c'est eux qui vous ont donné la religion. C'est les Arabes et les Blancs, les faux Blancs, les Français. C'est eux qui vous ont donné la religion. C'est eux qui vous ont dit que vous êtes chrétien, que vous êtes musulman. L'Éternel ne nous a jamais dit nulle part dans la Bible que nous sommes musulmans et chrétiens. Vous êtes devenus musulmans et chrétiens à cause de nos péchés, à cause des péchés de nos aïeux. Raison pour laquelle vous êtes musulmans et vous êtes chrétiens. Il faut comprendre. C'est ce que nous appelons common sense. Nos aïeux au départ n'étaient ni musulmans ni chrétiens. Ils étaient des Hébreux israélites de différentes tribus. Si nous sommes aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs, nos parents, etc., continuent notre nation, si 80%, 90% de nos nations sont toujours encore musulmans, chrétiens, vaudounos, les gris-gris, les conneries, sorciers, francs-maçons, c'est à cause de leurs péchés et des péchés de nos aïeux, Il dit, qui s'égare loin du chemin de la prudence dans l'assemblée des ombres, des morts, dans la congrégation des morts reposera. Parce que quand vous allez lire d'autres traductions en français de la Bible, vous allez voir, il dit quoi? Dans l'assemblée des morts reposera. C'est dans l'assemblée des morts. Donc vous êtes zombifiés, vous êtes des zombies. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, les Noirs ou les Noirs américains, les Latinos, nous vivons dans un état de coma. Nous sommes dans le coma actuellement. Nous sommes comatisés, ok? Zombifiés. Nous vivons dans les ténèbres. Nous ne savons même pas qui sommes-nous. Et vous avez le culot de bavader, de dire que vous avez un doctorat. Mais vous ne savez même pas de quelle nation vous êtes. Vous ne savez même pas de quelle nation, selon la Bible. Parmi les 19 nations, de quelle nation vous êtes? Vous, les Béninois, de quelle nation? Vous n'êtes pas Béninois. Vous avez la citoyenneté béninoise, certes, mais vous n'êtes pas béninois, parce que le Bénin, ce n'est pas une nation, c'est un pays. Hello! Le Bénin, ce n'est pas une nation, c'est un pays. Un pays groupé, ou un pays qui a quoi? Des milliers de nations. Vous avez presque toutes les nations au Bénin. Je vous garantis que vous allez au Bénin aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Hamites, non, vous allez voir presque toutes les nations. Vous avez les Chinois, vous avez quelques Japonais qui vivent là-bas, vous avez beaucoup de Domites, et la liste continue. Comment, mais? Il dit, qui s'égare loin du chemin de la prudence dans l'assemblée des morts ou des hommes reposera. Allons, on partit dans Deutéronome, on va voyager par-ci, par-là. C'est une longue édification, je l'ai déjà dit. On le fait, elle est classique. On peut jouer ça, cette mélodie, à Patrice Talon, tous les jours, il peut écouter, réécouter. Ok? Et que personne ne cherche à m'appeler pour me dire non, rien, il ne faut pas m'appeler. Répentez-vous et mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ok? Répentez-vous et mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Je ne veux pas argumenter avec qui que ce soit. Je ne veux pas avoir de débat. Pas, débat avec qui? Avec qui? Deutéronome 28, on va en lire le verset 54. C'est l'esprit de Patrice Talon sur les Béninois. On va le lire. Deutéronome 28 et le verset 54. Deutéronome 28 et 54. On va le lire. Il lit ainsi. Il dit, le plus délicat et le plus amolli d'entre les tiens jettera des regards malveillants, malfaisants, malveillants, Patrice Talon, sur son frère. Sur qui? Son frère. Qu'est-ce qu'il avait avec Patrice, avec Adjavon? Qu'est-ce qu'il avait avec les autres? Avec Ricky Amadougou? Avec les autres? Hein? Qu'est-ce qu'il avait? Il dit quoi? Sur son frère et même sur la femme qu'il étreint et ceux de ses enfants qui lui resteront. Vous avez vu? La même chose. Il veut même aller même jusqu'à les tuer. Allons. Esaïe. On va vous montrer ce que Patrice a fait. On va vous le montrer. Allons dans Esaïe. On lit un peu ici, un peu là-bas. Allons dans Esaïe. On a Esaïe, le chapitre 1. On va aller vers la source, l'Éternel. Allons là-bas. Esaïe, le chapitre 1. On va lire à partir du verset 3. Esaïe, le chapitre 1 et le verset 3. OK?
Il dit, le bœuf, on va lire à partir du verset 2. Il dit, contre un peuple ingrat. C'est quel peuple ingrat? Nos frères et soeurs béninois, togolais, ivoiriens, nigériens, nos frères noirs américains, nos frères latinos, mexicains, de El Salvador, nos frères et soeurs qui sont en Haïti, qui sont dans la Guadeloupe, aux Caraïbes, à Saint-Denise, Saint-Toulouse, c'est à vous. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille car Yahawa parle. Qui parle? Yahawa l'Éternel. J'ai élevé des enfants. Qui nous a élevé? C'est l'Éternel. Ce n'est pas Patrice, ce n'est pas le gouvernement béninois, ni le gouvernement américain. Qui nous a élevé? C'est l'Éternel. J'ai élevé des enfants. Je les ai fait grandir. Mais ils se sont révoltés contre moi. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes révoltés contre l'Éternel. Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf, c'est un animal qui n'est pas si intelligent, mais il connaît son possesseur. On va continuer. Et l'âne, la crèche de son maître. L'âne, c'est une bête aussi qui n'est pas aussi intelligente. Mais l'Éternel nous compare au bœuf et à l'âne. Il dit, et l'âne, la crèche de son maître. Donc l'âne, il sait la maison de son maître. Le bœuf, il connaissait qui son possesseur. Donc ces deux bêtes, animaux, ou ces animaux qu'on regarde aujourd'hui comme ils ne sont pas intelligents, comme un chien peut-être, ils connaissent c'est qui leur propriétaire et ils connaissent où vivent leurs propriétaires. Nous allons continuer. Il dit, Israël ne connaît pas. Donc l'Éternel est en train de nous comparer. Il compare la nation d'Israël à ces deux bêtes, à l'âne et au bœuf, qui ne sont que des animaux que nous appelons comme ces gens. Ils ne sont pas intelligents. Donc l'Éternel dit que ces animaux qui ne sont même pas intelligents, ils sont plus intelligents que nous, imaginez. C'est une grande insulte. Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Malheur. Nation pécheresse. Nation comment? Pécheresse. Péché 24 sur 24. Pas de repentance. Ils veulent toujours continuer dans les abominations, les mensonges, le christianisme, l'islam, le gris-gris, la sorcellerie, les sept sataniques. Rien que du quoi? On va voir. Nation pécheresse. Rien que du péché. Peuple coupable. Coupable 24 sur 24. Patrice Alain, coupable 24 sur 24. Peuple coupable. Race de malfaiteurs. Race de quoi? Malfaiteurs. Race de malfaiteurs. Qu'est-ce que c'est ça? Rien que le péché, le mal. Race de malfaiteurs. Nation de malfaiteurs. Fils pervertis. Pervertis. C'est au pluriel. Ils ont abandonné Yahawa. Ils ont abandonné Yahawa pour adorer Patrice Talon. Ils ne vont jamais dire que Dieu est en train de travailler. Non, Patrice Talon, il travaille. Il construit les voies. Yahawa, il ne fait rien. C'est seulement Patrice Talon qui. Des gens qui ne réfléchissent même pas avant d'ouvrir leur bouche. Ils ne mesurent même pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il dit quoi? Ils ont abandonné Yahawa. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, c'est l'Éternel Yahawa. Hachem Yahusha. Kwame Shala, mais Kwame Shala, Kwame Shala. Ils se sont détournés de lui. Ils se sont détournés. Comment ils sont devenus chrétiens et musulmans? Beaucoup de francs-maçons, gris-gris, ils vont tailler, ils vont sucer. Pour qui? Pour les colons, le maître d'esclaves. Allons. Jérémie, le chapitre 4, le verset 22. Attends, non. Premièrement, Ésaïe 28. Allons dans Ésaïe 28, avant que je n'ouvre. Je reste dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, le verset 15 à 19. Ésaïe 28, 15 à 19. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 28 et le verset 14. Verset 14 jusqu'à 19. Vous avez dit, non, Ésaïe 28 et le verset 14, contre les mauvais conseils, contre les mauvais conseils de Patrice Talon, contre la clique, vous les conseillers de Patrice Talon et lui-même. Il dit quoi? Contre les mauvais conseillers. Qui est en train de vous conseiller? Qui conseille ceux qui sont dans les petits bureaux là? Qui? Patrice Talon et son groupe de conseillers de la Marina ou de la présidence, soi-disant béninoise, n'est-ce pas? Ok. C'est pourquoi écoutez la parole de Yahawa, homme insolent. Comment est-ce que l'Éternel les appelle? Homme insolent. Homme insolent. Homme insolent. Donc si vous vous fâchez, vous fâchez contre l'Éternel. Si vous vous fâchez, vous fâchez contre qui? Yahawa, Bahashem, Yahawa. Et l'Éternel Yahawa, c'est un Dieu terrible. Très, très terrible. Il va vous montrer de quoi il est capable. Il dit, c'est pourquoi écoutez la parole de Yahawa, homme insolent et femme insolente. Patrice Talon, son gouvernement, et des millions et des milliers de nos frères, pas seulement au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Nigeria, à Barbados, en Jamaïque, aux États-Unis, en Mexique,
Et la liste continue. En France, ok, on va continuer. Gouverneur de ce peuple, attends. Gouverneur de qui? Qui gouverne sur vous? Patrice Talon. Qui gouverne sur les Béninois? Qui? Patrice Talon. Qui gouverne sur les Togolais? Foya Singbi. Qui gouverne sur nos frères en Côte d'Ivoire? Qui? Alassane Drawatara ou bien c'est Ouattara? Hein? Qui gouverne sur nos frères nigériens? Qui gouverne sur nos frères nigériens? Buhari. Et la liste continue. Sénégal. Macky Sall. Et la liste continue. La liste continue. Il dit quoi? L'Éternel dit, gouverneur de ce peuple. L'Éternel dit que les gouverneurs, ceux qui gouvernent sur nous, ceux qui gouvernent sur vous, ne sont que des hommes insolents. C'est des femmes insolentes. Allez, Ésaïe 28. Ésaïe 28, à partir du verset 14. Ou bien vos pasteurs ils vont vous décevoir et vous dire, oh, c'est un ancien, c'est ancien. Non, ce n'est pas ancien, c'est un menteur. Si vos pasteurs vous disent, c'est un menteur. Un menteur. Il dit, c'est pourquoi écouter la parole de Yahweh, homme insolent, virgule, gouverneur de ce peuple qui est à Jérusalem. Ça s'applique aujourd'hui. Vos leaders sont-ils en train de faire ce que la Bible a dit? Non. Rien de nouveau sous le soleil. Et c'est un cycle. Ok. Il dit, gouverneur de ce peuple qui est à Jérusalem, vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort dont le gouvernement béninois, les Béninois, les Togolais, les Ivoiriens, Patrice Talon, Alassane Ouattara, Buhari, Foya Singbe, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort. Avec le Sheol, nous avons fait un pacte. Vous avez vu? C'est pas bon de mentir. Patrice Talon a fait un pacte avec quoi? La mort et Sheol. Le gouvernement actuel, ils ont planqué, ils ont tué quelques personnes durant l'élection. Et non, ce n'est pas seulement l'élection. Ils font des sacrifices en vies humaines que vous ne savez pas, oui. Les pouvoirs qu'ils ont. Si l'Éternel doit vous révéler ce qu'ils font, vous n'allez même pas sortir au Bénin. Si on vous dit même de sortir au Bénin, vous avez dit non. Si on vous dit de sortir au Bénin, vous avez dit non, non, non. Ok? On va continuer. Il dit, avec le Sheol, nous avons fait un pacte. Quant au fléau menaçant, dont l'Éternel est en train de menacer le Bénin, ils ont encore quoi? La certitude. Ils se déçoivent et déçoivent le peuple. Ne vous inquiétez pas. Ne manjo, ou pas manjo, c'est manjo. Ne manjo, Il dit, quant au fléau menaçant, ok, il passera sans nous atteindre. C'est ce qu'ils se disent, parce qu'ils font confiance sur leurs beaux, les gris-gris, les trucs qu'ils font, n'est-ce pas?